français parlent aux français. D'autres personnes, d'autres forces politiques parlaient des banques. Je suis désolé, mais je vais revenir sur cette question. Vous parlez du Brésil, Montebourg en a parlé pendant. Vous parlez de la souffrance des peuples, Mélenchon en a parlé. Vous parlez de protectionnisme, vous parlez de la Chine. Et figurez-vous, je mange des tartines le matin, je pense que M. Hollande aussi. Tout cela, nous l'entendons par ailleurs. Alors, je vais vous poser la même question, mais à l'envers. Que dites-vous que les autres ne disent pas en dehors de « je vous l'avais bien dit et j'ai été la première » Qui parle de protectionnisme aux frontières de la France ? Tout le monde. Pardon ? Aux frontières de la France ? Non. Aux frontières, vous avez raison. Aux frontières de la France, vous avez parfaitement qui raison. Qui parle de revenir, voilà. Qui parle de revenir sur la loi de 73 et de rendre à la Banque de France la prérogative de prêter au Trésor? Plus ou moins, vous n'êtes pas la seule. Non, qui? Écoutez. Ça serait une folie, mais on est dans le moment du débat. Alors, non, qui? Alors, écoutez, on ne va pas faire une bataille de noms. Ah si, monsieur, moi... permettez-moi, monsieur. Non, c'est trop facile. Vous me dites que tout le monde dit la même chose et qu'est-ce que je dis de différent? Je vous dis qui propose de supprimer la loi 73 et de rendre à la Banque de France la prérogative de prêter au Trésor. Vous pouvez nous conduire sur un point particulier si vous le voulez. D'ailleurs, vous c'est un point essentiel de mon programme, monsieur. Non. Je vous dis que la question, la question de rendre aux États la main sur une banque nationale ou sur les banques, c'est une question qui est générale. La question des banques, vous n'êtes pas la seule à la poser. C'est une plaisanterie, monsieur, puisque par définition, tous ceux qui ne proposent pas la sortie de l'euro ne proposent pas que nous maîtrisions la banque, excusez-moi. Bon, alors qui propose la sortie de l'euro? Eh bien, alors c'est que vous n'écoutez pas les débats qu'on entend partout. Qui propose la sortie de l'euro? Parce que si la question des banques n'a pas été abordée, mais en dehors de M. Dupont-Aignan, la question de mettre au pas les banques, vous l'avez peut-être entendu dans la primaire socialiste. Monsieur, soyons, s'il vous plaît, sérieux. J'ai bien compris que vous aviez une petite un petit penchant affectif pour les socialistes, mais il n'en demeure pas moins. Je vous oppose les socialistes parce que je suis chargé de vous apporter la contradiction. Alors je recommence. Qui propose la sortie de l'euro? La sortie de l'euro. Alors, la sortie de l'euro est un débat permanent. Non, il n'a pas l'antériorité, c'est nous qui l'avons, en l'occurrence, c'est pas grave. Écoutez, c'est un débat permanent dont vous seriez, en quelque sorte, le degré maximum. Monsieur, mais la question de la sortie plus ou moins de l'euro, de créer un euro du Nord, un euro du Sud, si vous ne l'entendez pas, c'est que nous n'écoutons pas les mêmes radios. Non mais monsieur, à faire un euro du Nord et un euro du Sud, ça n'est pas sortir de l'euro. Vous êtes éminemment gêné, parce que vous êtes arrivé sur un terrain où vous êtes en train de vous enliser. Terrain sur lequel je voudrais que vous me répondiez, c'est que dites-vous que les autres ne disent pas, monsieur, et vous ne dites pas grand-chose que les autres ne disent pas. Eh bien, monsieur, à part que vous portez peut-être à incandescence des choses qu'on entend partout. Monsieur, je vais vous dire précisément, non, mais parce que c'est trop facile, ça. Moi, je veux aller au bout de votre illogisme et de vos contradictions. Qu'est-ce que je porte comme politique? Parce que moi, ce que pense, si vous voulez, tel ou tel analyste ou économiste d'une banque, ça ne m'intéresse pas. Dans la classe politique française, qui est pour la sortie de l'euro? Moi et M. Dupont-Aignan, qui est à 1%, que j'espère d'ailleurs pouvoir convaincre de me rejoindre. Qui propose la suppression de la loi de 1973? Je suis la seule. Qui propose des protections aux frontières françaises? Je suis la seule. Mais le fait d'être seul vous paraît une garantie de bon sens et de sérieux? Monsieur, ça n'est pas le problème. Peut-être aussi parce que c'est moins raisonnable. Monsieur, excusez-moi, je réponds à la question confrère. Il me dit vous n'êtes pas la seule à dire ça. On a compris que vous étiez deux, à savoir vous, Nicolas Dupont-Aignan, et vous. Seuls. Bon, voilà, c'est tout. Donc sur l'échiquier politique, Par conséquent, vous avez tort, je suis désolé, ça peut arriver. Vous ne pouvez pas réduire l'immense... Oh, ça vous agace. Non, je ne suis pas agacé du tout. Pourquoi voulez-vous que je sois agacé? Ce qui m'agace un peu, c'est qu'on ne va pas faire un débat de tête Marine Le Pen, Hubert Huertas. On voudrait comprendre un peu quel est... Oui, écoutez, tout d'abord, quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard.